la nuit, je rentre tard le soir. C'est pour ça que ma mère, elle m'en voulait. Difficile d'avancer, perdu dans le noir. C'est totalement fou de se dire que je suis arrivée il y a 24 heures. Et je sais pas, c'est trop bizarre. En fait, quand t'arrives dans un nouvel endroit qui n'est pas chez toi, t'as toute cette partie de où tu t'habitues, tu t'accommodes et tout, à la culture, à l'environnement et tout. Ça prend du temps. Du coup, ça permet à ton esprit de comprendre ce qui se passe, je trouve. Mais là, le fait de rentrer, en plus avec l'avion, c'est genre hyper rapide, et tu retournes à un environnement que tu connais déjà, en fait, il n'y a pas d'habituation. Genre, d'un seul coup, tu te retrouves là, et genre, t'as l'impression que t'es pas parti. Alors que tu viens de partir 2 mois, que ça a été une expérience difficile, genre hyper dépaysante et tout, et en fait, t'arrives et... Je sais pas, trop bizarre. Par contre, le froid, ça fait un choc. Oui. Bon, je sors d'un rendez-vous avec Fatou là. On est allé dans le bureau de mon père, c'était trop cool. On a fini le pitch deck pour Renault. Attends. Quoi ? Ouais, alors, pour la faire courte, là je suis de retour à Paris pour au moins 6 mois, durant lesquels je vais faire un stage à WWF, donc ça sera mon main project, on va l'appeler. Et à côté de ça, j'ai 2 side projects. Le premier avec Fatou et un deuxième avec Rachid. Ces 2 projets sont encore en construction, donc je vais pas vous en dire plus tout de suite, mais ça viendra dans des prochaines vidéos. Wesh, je vais chez l'ostéo parce que marcher 2 mois en tongs, ça nique les hanches. Je viens de terminer le benchmark pour notre idée de projet avec Rachid. Et ensuite, j'ai eu un peu un appel à l'improviste avec une productrice pour, pour voir un peu si mon autre projet est produisable pour la télévision française. Donc voilà, c'est plutôt excitant. Et sinon, là, je vais faire ma valise parce qu'on part en Hollande ce week-end. Donc vraiment, genre, pas le temps. Cette semaine, elle a été... très chargée, j'ai eu un peu de mal à me réadapter, ça a été compliqué, mais on y va pour l'anniversaire de ma grand-mère, donc ça devrait être sympa et un peu calme avec la famille et tout, donc j'ai hâte. Marc.
petit topo depuis la plage en Hollande. On est dimanche après-midi, c'est la fin de ma semaine de retour. Je vous avoue que ça a été hyper intense. Ça a été une super semaine, mais au début je pensais que tout allait bien aller et finalement c'est quand même pas si simple de rentrer dans un pays très froid comme ça, après s'être habitué au chaud, de revoir des gens, je sais pas, en fait tout a l'air comme si de rien n'était et en même temps au fond de moi c'est pas si simple. Donc voilà, je vais quand même essayer de prendre mon temps. Welcome to Pantin. Bon bah du coup c'est mon deuxième jour à WWF. Premier jour c'est plutôt bien passé. C'était une prise en main des outils. Et on a une grosse réunion mensuelle. Donc j'ai pu voir un peu les différents projets de chacun. Donc voilà, c'est top et je vais vous montrer un peu les locaux. Mais quelle est classe.